Merci de patienter. Vous allez être mise en communication prioritaire avec le chancelier suprême Léontine Sarrache de la République Galactique. C'est un honneur de vous parler à nouveau, Maître Jedi. Votre victoire sur les infiltrateurs Sith a sauvé la République, mais de nouvelles menaces font déjà leur apparition. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un appel de la dirigeante de la galaxie. En quoi puis-je vous aider, chancelier suprême ? Le cartel des Hutt s'est introduit dans l'espace de la République et s'est emparé de la planète Makeb. Nous devons réagir le plus fermement possible à cet acte d'agression. Mon conseil de guerre se réunit sur la station Killander dans le système Makeb. Je vous demande de nous rejoindre sur l'heure. Je me mets tout de suite en route pour le système Makeb. Dirigez-vous vers la station Killander, salle de conférence. Je vous attends là-bas. Faites vite, je vous en prie. Nous devons agir rapidement et fermement contre l'attaque des Hutt. Bonjour et bienvenue. Je suis Zan 3L0, officier protocolaire de la République. Bienvenue dans le système Makeb et sur la station Killander. Si vous avez des questions, gardez-les pour plus tard. Le chancelier suprême Sarrache arrive avec sa délégation. Mes amis, ce maître Jedi d'une grande sagesse a protégé la République d'innombrables dangers à de multiples reprises. Je ne vois personne de mieux pour garantir notre sécurité. Il faut bien plus qu'un Jedi solitaire pour maintenir la République hors de danger. La force et la vigilance de tous les protecteurs disponibles sont requises. C'est juste. Et ça l'est d'autant plus aujourd'hui. La victoire sur l'Empire est à portée de main. Mais d'abord, nous devons faire face à un acte d'agression aussi déloyal qu'inattendu. Commandant suprême Malcolm ? Il y a 13 jours de cela, le cartel des Hutt s'est introduit illégalement dans l'espace de la République et s'est emparé de la planète Makeb. Ces criminels ont encerclé le système à l'aide de 30 croiseurs lourds de classe Adjour. Les citoyens de Makeb s'engagent officiellement à rejoindre la République si nous parvenons à régler cette crise. Nous ne pouvons pas les laisser sans rien faire face à la brutalité des Hutt. Les renversements sont hélas monnaie courante dans la galaxie. Mais les Hutt n'ont pas lancé ce genre de conquête depuis maintenant 15 000 ans. Cette guerre ouvre des opportunités aux forces cupides et peu scrupuleuses. Les conditions atmosphériques sévères rendent impossible le déploiement de troupes à grande échelle. Nous aurons besoin de l'aide de la Résistance qui s'organise sur place pour remporter la victoire. Shalim Avesta fait partie des grands négociants sur Makeb. Il vous attend là-bas. Vous travaillerez en étroite collaboration avec lui. S'il a le cran de se dresser face aux Hutt, ça doit être une personne digne d'intérêt. Shalim accepterait plus facilement une grenade dégoupillée que l'oppression des Hutt. Libérer Makeb sera votre priorité numéro un. Mais je veux mettre un terme définitif aux ambitions des Hutt. Maître Satil Shan a des renseignements sur les futurs projets de l'ennemi. Le Conseil Jedi a médité sur les agissements du cartel. Nous avons la conviction que Makeb n'est qu'un point de départ menant à une attaque de la galaxie entière. On ne laissera pas les Hutt étendre leur domination à nos dépens. La République pourrait parvenir à un accord avec le cartel pour former une alliance contre l'Empire. Si jamais nous devions négocier, je n'accepterai strictement aucun compromis. Une navette vous conduira jusqu'à la surface, au campement de Shalim Avesta. Mettez-vous en route et montrez au cartel qu'on ne plaisante pas avec la République. Vous êtes un des héros de la République venu sauver ma planète ? Vous êtes tellement... waouh ! On aurait dû rejoindre la République il y a longtemps. Votre peuple aurait pu nous rejoindre quand l'Empire est revenu dans la galaxie ? Qu'est-ce qui vous en a empêché ? C'était il y a longtemps. Mais nous nous sommes toujours occupés de nos affaires sans nous mêler des combats des autres peuples. C'est stupide, n'est-ce pas ? J'étais ici quand les Hutt ont bloqué tous les canaux de communication de Makeb.
Je n'ai pas pu recevoir un seul signal de ma famille depuis. J'ignore ce qu'il se passe là-bas. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Allumez les moteurs de cette navette. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'atmosphère de Makeb est très perturbée. La plupart des vaisseaux sont frappés par les tempêtes électriques dès leur entrée. Mon bébé est équipé de boucliers ioniques spéciaux pour absorber les interférences électromagnétiques. Mais ça va quand même secouer. J'espère qu'on arrivera à destination en un seul morceau. Comment le cartel a-t-il réussi à conquérir votre planète si la plupart des vaisseaux n'arrivent pas à franchir son atmosphère ? Nos politiciens se sont dit que ça ne valait pas la peine de lever une armée quand on peut engager des mercenaires. On a acheté les meilleurs. Un groupe de durs à cuire appelé les régulateurs interstellaires. Mais les Hutt ne se sont pas donné la peine de les combattre. Ils ont acheté les régulateurs en leur faisant une meilleure offre. Demandez à Shalim Avesta, il vous le dira. Ma navette est prête. Montez à bord et on se mettra en route. Vous devriez peut-être aussi prendre des steams contre la nausée. C'est un honneur de vous accueillir, Maître Jedi. Je suis Shalim Avesta. Le chancelier suprême nous avait promis de l'aide, mais là, ça dépasse mes espérances. Ma famille a contribué à la fondation de Makeb. L'exploitation minière Avesta dirige notre conseil des affaires depuis plusieurs décennies. J'étais à deux doigts d'être proclamé chef d'État quand le cartel a pris le pouvoir. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Mais si nous allier à la République est le seul moyen de libérer ma planète natale, alors qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas en s'attachant au passé qu'on sauvera l'avenir de cette planète. Un bon dirigeant sait quand il faut céder le pouvoir pour la bonne cause. Vous pouvez compter sur mon soutien, Maître Jedi. Et je suppose que ce sera réciproque. Ilozov est un ancien mercenaire des régulateurs interstellaires. Jusqu'à récemment, il faisait à la fois office d'armée et de force de l'ordre. Je les ai lâchés quand ils se sont rangés du côté des Hutt. Je trahis pas mes clients pour le plus offrant, moi. Mis à part quelques exceptions comme lui, le cartel a acheté la loyauté des régulateurs et a ainsi retourné nos protecteurs contre nous. Un renversement à cette échelle, ça se fait pas du jour au lendemain. Les Hutt devaient avoir ces mercenaires dans leur poche depuis plusieurs mois. Certains régulateurs ont commencé par des petits boulots pour le cartel il y a quelque temps. À présent, ils ont tous des postes importants. Je ne comprends toujours pas comment ça a pu se produire. On a fait affaire avec les Hutt sans accroc pendant des années entières. Un nouveau rapport des victimes et des dégâts. Talaos City a été méchamment secoué. Mais aucun blessé à signaler. C'est une chance. Ça fait le cinquième tremblement de terre depuis la prise de pouvoir des Hutt. Le dernier a anéanti la colonie minière de Tigon. On en est encore à extraire les corps des gravats. Le chancelier suprême ne m'avait pas parlé de tremblement de terre. Vous l'aviez averti ? Je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Les secousses étaient assez anecdotiques, jusqu'à récemment en tout cas. Ma nièce Lemda est une géophysicienne de renom. Elle a rejoint notre mouvement pour prouver qu'il existe un lien entre les séismes et les opérations minières des Hutt en profondeur. Elle était en train d'effectuer des relevés sur une mesa déserte quand elle s'est brusquement fait piéger par un groupe de régulateurs. On a perdu contact avec elle. J'ai envoyé des équipes de recherche sur la piste de Lemda. Mais nos hommes ne sont pas équipés pour affronter ce genre de mercenaires. J'ai le sentiment que votre nièce a découvert quelque chose, et que les Hutt ont envoyé les régulateurs pour l'empêcher de revenir. C'est bien ce que je crains. Des rapports de nos équipes de recherche. Les régulateurs les ont forcés à se retrancher vers la zone d'atterrissage. Si on abandonne maintenant, on retrouvera jamais Lemda. Dites à vos hommes qu'ils auront bientôt un Jedi pour se battre à leur côté. Moi, je vais mener l'enquête avec mon sabre laser. J'espère que les régulateurs auront le bon sens de laisser tomber quand ils verront à qui ils ont affaire. Prenez ma navette privée jusqu'à la Mesa de Frin. Notre contact à la zone d'atterrissage s'appelle Len Ferro.
C'est Shalim Avesta qui nous envoie. C'est vous le responsable? Des renforts! On est sauvés! Prosk, venez voir! C'est un Jedi! Criez plus fort, Len. Toute la Messa ne vous a pas entendu. Je suis Prosk, au cas où la fouine aurait mal articulé. Ce gamin est comptable. Il sait à peine manier un blaster. Et moi, je suis pas plus doué que lui. Avant, j'étais contremaître dans les mines. On a dressé des barricades, mais elles servent pas à grand-chose contre les régulateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait, chef? À quoi on a affaire, au juste? Vous avez eu un visuel des régulateurs? Ils sont très nombreux, de mauvaise humeur et armés jusqu'aux dents. Mais on n'a pas pris le temps de discuter. Les éclaireurs nous signalent des régulateurs dans notre direction. Un grand groupe. Prenez tous une barricade et trouvez-en une et tenez la position. Maître Jedi, j'aurais jamais... Les régulateurs, vous êtes sans sas! Très beau discours, la fouine. Les mercenaires y réfléchiront à deux fois avant de s'en prendre à nous. On vous doit une fière chandelle. Vos gars ont une piste sur Lemda, la géophysicienne disparue. C'est pour elle que je viens ici. Son campement a été mis à sac. Les régulateurs ont déjà dû la capturer et confisquer toutes ses recherches. Shalim a raison. Elle a mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est donc bien une mission de sauvetage. Si les régulateurs ont enlevé Lemda, où est-ce qu'ils ont pu l'emmener? D'après nos relevés, personne à part vous n'a atterri sur la Messa depuis l'arrivée des régulateurs. Ça veut dire qu'elle est toujours dans le coin, dans l'un de leurs campements. Génial. Ça nous fait une dizaine de camps et aucun moyen de deviner dans lequel elle se trouve. Vous allez devoir tous les attaquer au petit bonheur. Quand j'attaquerai leur camp, les régulateurs qui sévissent dans cette zone battront en retraite pour défendre leurs alliés. Tant mieux. Ça nous laissera le temps de souffler. On a des équipes de recherche qui ne sont jamais revenues. Si vous délivrez d'autres prisonniers, envoyez-les ici. Quelqu'un ici pourrait pirater la fréquence de communication des régulateurs? Qu'on apprenne ce qu'ils mijotent! Voyez de votre côté, Prosk. Les neurones de la fouine sont en action. C'est parti, chef. On protégera cette zone d'atterrissage aussi longtemps qu'il le faudra. Bonne chance. Équipe rouge, répondez. Ici le vice-commandant Grévin. Nos radars indiquent des échanges de tirs dans votre zone. Au rapport. Vos hommes ont préféré le combat aux négociations. Soyez raisonnables. Laissez partir la géophysicienne. Vous n'avez aucune autorité ici, Jedi. Cette femme est légalement notre prisonnière. Les troupes qui vous assiègent ont mené des missions sur une trentaine de systèmes. Notre taux de victoire s'élève à 100%. Vous avez eu de la chance pour cette fois. Ça se reproduira plus. Vous auriez dû écouter mes conseils. Je suis à la tête des régulateurs et j'ai des renforts à plus savoir qu'en faire. Là, ils sont vraiment en pétard. Il n'y a que Lemda qui m'intéresse. Je ne veux blesser personne. Contrairement à mes régulateurs, Maître Jedi. Ici Prosk, vous me recevez? On a piraté les réseaux de communication des mercenaires. C'est fou ce qu'on entend comme truc intéressant. Je ne sais pas comment vous vous y prenez, mais ça marche. Les mercenaires se sont repliés. La zone d'atterrissage est libre. Retranchez-vous et tenez-vous prêts, au cas où ils reviendraient. D'accord. Et on reste à l'écoute des mercenaires aussi. On apprendra peut-être quelque chose d'utile. Ne leur faites pas de cadeaux. Prosk, répondez. On a saccagé plusieurs campements de régulateurs. Toujours aucun signe de Lemda. D'après nos éclaireurs, vous avez provoqué la débâcle chez les mercenaires. Lemda est dans le secteur, c'est obligé. Je vais prendre quelques gants en plus et couvrir une surface plus large. Vous croyez malin? Vous tuez mes hommes? Vous espionnez nos communications? À chaque coup que vous nous portez, les Huts se défoulent deux fois plus sur les gentils habitants de Makeb. S'ils meurent, c'est à cause de vous. Vous êtes censé protéger Makeb, mais vous vous êtes laissé corrompre par les Huts. Combien ils vous paient pour exécuter des innocents? Suffisamment, bien sûr. Abandonnez avant qu'il ne soit trop tard.
Prosk, vous me recevez? Encore un campement de visiter. Aucune trace de Lemda. Ça se passe comment chez vous? Minute. J'ai un appel de détresse. C'est elle. Je vous connecte. Bon sang! Tu vas t'allumer, cochonnerie! Allô? Allô? On vous reçoit, Lemda. Votre oncle a envoyé une équipe de sauvetage. La République est là aussi. Regardez! Shalim n'a rien envoyé d'autre? Il nous a dit que vous étiez une géophysicienne de renom. Vous ressemblez à une étudiante. Vous avez quel âge? J'ai passé mon doctorat il y a 8 ans. J'en avais 16. Ça vous la coupe? Mes gardes ont quitté leur poste et m'ont laissée toute seule. Ça doit être vous, la tueuse dégénérée, qu'ils sont partis affronter. Je me suis enfuie et j'ai couru jusqu'à l'abri antisismique le plus proche. Il n'y a personne d'autre. Je vous envoie mes coordonnées. Vous avez bien fait d'éviter l'affrontement. Ils auraient pu vous recapturer, voire pire. Je me suis dit que je serais en sécurité ici. Attendez, c'est quoi ce bruit? C'était chez vous? On l'a perdu. Ils ont brouillé le signal. Mon équipe est près de l'abri antisismique. Retrouvez-nous là-bas. J'ai plein d'amis qui sont morts à cause de toi aujourd'hui. Grévin m'a demandé de te rendre la politesse. La violence n'est pas la seule solution. Vous ne voyez pas que les Hutt vous manipulent? Il n'est pas trop tard. Prenez la bonne décision. Déjà qu'on gagne assez pour partir en retraite. Quand tu seras morte, on pourra carrément s'acheter une piscine. L'abri nous tombe sur la tête! Il faut qu'on sorte! C'est votre appât du gain qui vous a rapproché des Hutt. Ouvrez les yeux avant de les fermer à jamais. Je vous en supplie, rendez-vous. Tuez-les! L'abri est en train de s'effondrer! Faut pas qu'on reste là! Je suis pas venue ici pour mourir bêtement! En route! De toute son histoire, Makeb n'avait jamais connu un séisme aussi grave. L'instabilité géologique est 1000 fois plus intense depuis que les Hutt ont débarqué. Les relevés sismiques et les fluctuations dans l'activité du noyau laissent présager une catastrophe imminente. Ces séismes sont dus aux forages que les Hutt effectuent en profondeur pour détruire Makeb. À partir du moment où ils ont envoyé leur régulateur, c'était évident que les Hutt avaient quelque chose en tête. Maintenant, on sait ce qu'ils cachent. Toutes les données que j'ai collectées prouvent que ce sont les opérations minières des Hutt qui ont rendu Makeb instable. Les séismes ne sont qu'un début. Des messas entières vont s'effondrer. Ensuite, l'effritement gravitationnel va entraîner une dissipation de l'atmosphère et tuer jusqu'au moindre organisme vivant. Makeb deviendra inhabitable. Il doit exister un moyen de réparer les dégâts, de rétablir la stabilité de la planète. Oui. Mais c'est pas le bon endroit pour en discuter. Je pense qu'il y a un moyen de sauver Makeb, mais vous devrez faire comme je vous dis. Je vous préviens, je suis du genre rentre dedans. Tout le monde me le répète. C'est rien de personnel. On peut dire que vous gardez la tête froide, vu les circonstances. Ma famille est pleine de politique. Il paraît que c'est ma façon à moi de m'affirmer. Au fait, je vous ai dit que c'était moi qui avais poussé oncle Shalim à contacter la République. Il y a pas de quoi. Vous avez réussi! On a suivi le signal de Prosk et... Où est Prosk? Je suis désolée, il est... C'est fini pour lui. Mettez-la dans une navette pour Shalim. C'est la débâcle chez les régulateurs. Ils devraient pas vous causer d'ennui. Si jamais ils essayent, je les allume tous. Retrouvez-moi au bureau d'oncle Shalim. Il faut qu'on détermine un plan. Et vite! Ça, mon oncle, c'est rien. J'ai fait mes calculs. 2 jours, peut-être moins, et ton bureau sera au fin fond d'une crevasse. Au moins, tes études hors de prix auront finalement servi à quelque chose. Je t'ai déjà dit que je rembourserais. Tu dois regretter de ne pas m'avoir écouté plus tôt. Moi et mes discours d'écologiste hystérique.
Maître Jedi, Lemda m'a raconté votre sauvetage épique. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. On avait peur que Makeb devienne instable, mais on n'imaginait pas que ce serait si grave. On n'aurait jamais dû laisser les Hutt se lancer dans leur exploitation minière. J'avais pas compris que le cartel faisait déjà du commerce sur votre planète avant de prendre le pouvoir. Il y a 10 ans, nous avons négocié des contrats d'exploitation minière ensemble. Ça a donné un gros coup de pouce à notre économie. Un gros coup de pouce que je critique depuis des années. Mais bon, les régulateurs qui me gardaient comme otage étaient de vraies pipelettes. Des concours de gros mots et de celui qui a le plus gros blaster, surtout. Mais leur chef a dit quelque chose d'intéressant. Il a parlé d'un projet filet de sauvetage. Un dernier recours au cas où l'opération minière deviendrait trop risquée. D'après le mercenaire, il existe un système pour stabiliser Makeb en un clin d'œil. Si le cartel des Hutt a un filet de sauvetage, c'est qu'ils ont l'intention de mener Makeb au bord de la destruction. On doit les en empêcher. Je suis contente que vous le preniez comme ça, parce qu'il faut absolument qu'on s'en empare, si jamais on arrive à le trouver. Talaos City, la base de données à l'ambassade Hutt. Philosophe a raison. Si jamais il existe une trace du projet filet de sauvetage, il faut fouiller dans les ordinateurs de l'ambassade Hutt à Talaos City. Malheureusement, c'est le territoire du cartel des Hutt. On aura besoin du chef Urquill, ancien responsable de la sécurité à Talaos City. Il est dans un campement secret extramuros avec quelques alliés. Ils peuvent vous faire entrer dans la ville, puis dans l'ambassade. Alors on fonce. Dites au chef Urquill de se tenir prêt. Les Hutt contrôlent Talaos City et ses environs. Vous devrez atterrir plus loin, en pleine campagne. Les régulateurs seront là en nombre pour vous accueillir. Vous trouverez le camp secret du chef Urquill à ses coordonnées. Vous faites pas tuer. Vous êtes notre seul espoir. Chef Urquill, c'est Shalim Avesta qui nous envoie. Il dit que vous pouvez nous faire entrer dans l'ambassade Hutt. Un maître Jedi en chair et en os. On passe aux choses sérieuses. Désolé pour l'odeur. Je me suis pas lavé depuis plusieurs jours. L'ambassade des Hutt est une vraie forteresse. Avant, j'étais en contact avec un rond de cuir snob à l'intérieur. Le représentant est clean. Mais c'est silence radio de son côté. Il doit être mort. La bonne nouvelle, c'est que le cartel a gardé son ambassade telle qu'elle. Toujours les mêmes tourelles, les mêmes droïdes, les mêmes codes d'accès que j'ai mis au point pour eux. Quel flemmard, ces Hutt. C'est tellement plus simple de foncer en territoire ennemi avec un guide bien informé. Simple, c'est un peu exagéré. Disons plutôt, c'est moins suicidaire. Si vous voulez entrer dans l'ambassade Hutt, vous aurez affaire à 3 niveaux de sécurité. Le premier sont les tourelles lourdes dans la cour. Les séismes ont le mérite d'avoir mis à découvert les générateurs des tourelles. Si vous créez une surcharge, les tourelles tomberont à plat. Neutralisez les générateurs des tourelles pour éviter de se faire canarder à l'entrée. D'accord, et ensuite ? Le deuxième niveau de sécurité, c'est la porte d'entrée de l'ambassade. 3 mètres d'épaisseur, en duracier trempé. Même au sabre laser, ça prendrait des heures à percer. Mais on peut déverrouiller la porte avec un code d'accès diplomatique. Vous pouvez en générer un à partir du terminal sécurisé, dans l'enceinte du bâtiment du gouvernement. Entrer dans le bâtiment du gouvernement, pirater le terminal sécurisé et créer un code d'accès. Sortir, et ensuite ? En troisième, le clou du spectacle. Les droïdes de sécurité. Modèle arcanien haut de gamme. De vrais teignes. Ils mitraillent les gêneurs sans sommation. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les reprogrammer. Le poste de contrôle des droïdes dans mon vieux QG de surveillance devrait faire l'affaire. Retourner les droïdes de sécurité contre les Hutt, ce sera un beau pied de nez. Merci pour vos conseils, chef. On se met en route. Concentrez-vous sur ces objectifs et l'ambassade vous ouvrira ses portes, je vous le garantis. En revanche, pour les réponses que vous cherchez, c'est une autre histoire. Si le représentant Eklin est toujours en vie, vous pourriez l'aider à s'enfuir ? Il est un peu psychorigide, mais c'est quelqu'un de sympa. Je vais tenter d'ouvrir un canal de communication. Prise en compte du nouveau code ID. Bonjour.
chef de commande 223. Votre programme de sécurité fonctionne à merveille. Je parlerai de vous à mes supérieurs. Entendu. Inspectez l'ambassade comme bon vous semble. Vous verrez, tout est opérationnel. Non, attendez. Je suis un civil. Je ne suis pas armé. Représentant Eklin, du Conseil d'autorité provisoire de Makeb. Je suis le contact officiel avec le cartel des Hutt. Demandez-moi ce que vous voulez, vous l'aurez. Ne me faites pas de mal. Je sais qui vous êtes, représentant Eklin. Le chef Urquill dit que vous êtes un ami. Alors, vous êtes là sur les ordres de Shalim. Je suis navré qu'il mêle les Jedi à tout ça. Que ça vous plaise ou non, les Hutt contrôlent Makeb. Notre seule option est de coopérer et de s'accommoder à la nouvelle situation. Au lieu de ça, Shalim jette de l'huile sur le feu. Il ne réalise pas à quel point les Hutt pourraient rendre la situation encore plus pénible. Peu importe ce que vous avez à offrir, les Hutt en voudront toujours plus. Leurs forages du noyau ont rendu la planète complètement instable. Je vous en prie, ne vous laissez pas berner par les discours pessimistes de Shalim. Il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. C'est complètement absurde. Les Hutt sont sur la planète, eux aussi. Si Makeb est détruite, ils meurent en même temps que nous. Les Hutt ont un dernier atout, le projet Filet de sauvetage. Mais ils pousseront cette planète au bord de la destruction avant de s'en servir. Admettons que je vous croie. Vous n'auriez pas une preuve irréfutable avant que je risque ma vie contre les Hutt? Si ce fameux projet Filet de sauvetage existe vraiment, il doit y en avoir une trace aux archives de l'ambassade. Je peux vous aider à y accéder. Faites attention. Les Hutt sont sur les dents. Ils ont déjà appelé des renforts. Vous aurez de la compagnie. Retrouvez-moi dans la salle des archives. Vous prenez un risque énorme. L'avenir de Makeb vous tient vraiment à cœur. Oui, je tiens à Makeb. Assez pour savoir quand me battre et quand coopérer. Occupez-vous des renforts. Moi, je me charge d'ouvrir l'accès aux archives des Hutt. Bonne chance. Les protocoles de sécurité sont désactivés. Et Klein s'en est bien tiré. Enfin, presque. Je me suis enfui quand j'ai entendu que ça chauffait. Attendez que je finisse. Le Hutt responsable de Makeb s'appelle Toboro. Si le projet Filet de sauvetage existe, il doit le mentionner dans ses registres de communication. Je suppose que vous avez croisé Toboro. Comment il est? Ce n'est pas un Hutt ordinaire. Il s'intéresse plus aux bénéfices à long terme qu'aux profits immédiats. Là, un holo de la part d'un certain Vidrig, avec le mot-clé Filet de sauvetage. On va voir ce que ça raconte. Bonjour, ô immense et glorieux Toboro. J'ai le plaisir de vous informer que le projet Filet de sauvetage est dans les temps et qu'on a respecté le budget. Votre grande arche sera bientôt terminée. Comme on peut le voir sur ces schémas, la couche extérieure de l'arche a été soigneusement conçue pour protéger sa précieuse cargaison des conditions atmosphériques extrêmes de Makeb. La soute transportera l'intégralité de vos stocks d'isotopes 5, tandis que quelques chanceux triés sur le volet profiteront du confort luxueux des ponts supérieurs. Les Hutt n'ont rien prévu pour empêcher Makeb de se désintégrer. Ils ont juste l'intention de quitter la planète avant la catastrophe. Vous êtes dans le pétrin. Ils vont nous abandonner? Tout le monde va mourir? C'est abominable! Puissant Toboro, puis-je vous suggérer de remplacer les cabines standards par des suites de luxe, plus adaptées à un Hutt de votre stature? Je peux les intégrer sans problème avant que l'arche ne soit terminée. Cet holo est tout récent. Vidrig n'a pas achevé la construction de l'arche. Ça veut dire qu'on a encore le temps de la réquisitionner et d'évacuer la planète. D'après les plans, on pourrait caser tous les habitants de la planète en faisant des aménagements dans la soute. Il y a tellement d'endroits où les Hutt ont pu lancer un chantier de cette envergure. Il faut qu'on sache où. Peut-être qu'on peut trouver un holo où Vidrig parle du site de construction. Non, rien d'aussi évident. Mais si je continue à fouiller, je finirai bien par trouver quelque chose. Je vais éplucher les archives et transmettre mes découvertes à Shalim. Étant donné les circonstances, je ne me sens pas trop en sécurité ici. Il y a une aire de navette pas loin d'ici. Supprimez les gardes. Déverrouiller les machines, et on pourra s'envoler tranquillement.
êtes en un seul morceau? Alors mes conseils ont bien marché, hein? Dites, Shalim veut vous parler d'urgence. On a déjà commencé l'analyse des plans du projet Filet de sauvetage, que le représentant Eklin nous a transmis. C'est accablant. Toboro le Hutt est en train de préparer le crime le plus odieux de toute l'histoire de la galaxie. Il compte s'enfuir de Makeb avec l'Arche de Vidrig et nous laisser mourir ici. Le Dévaronien est un grand baratineur. Il faut qu'on soit certain que cette Arche est à la hauteur de ce qu'il a promis. Un mot sur deux est mal orthographié, et je ne suis pas expert en jargon d'ingénieur. Mais dans les grandes lignes, l'Arche tient ses promesses. J'ai croisé les plans de construction de l'Arche avec des relevés topographiques. Le site de construction se trouve dans un complexe secret de la Flèche Géante. C'est un énorme attrape-touriste. Une mesa creuse. Trop dangereuse à coloniser, mais parfaite pour dissimuler la construction d'une Arche. Un assaut mal préparé pourrait causer des dégâts irréparables sur l'Arche. Quel est le moyen le plus simple de s'emparer du vaisseau? Je sais pas encore, Maître Jedi. Nos droïdes sondes sont en train d'effectuer des relevés. Contactez-moi quand vous serez à la Flèche Géante. Je vous aiderai à préparer l'assaut. La bataille va être rude. Mais regardez pas comme ça. J'ai une ville à faire évacuer. Bonne chance. Ilosoff, on est à la Flèche Géante. Vous avez du nouveau? On a envoyé des droïdes sondes analyser la zone pour vous. Les relevés sont plutôt inquiétants. Des escouades de régulateurs patrouillent sur tout le site. Des gâchettes parmi les meilleurs du vice-commandant Grévin, menées par les lieutenants d'élite du cartel des Hutt. Matériel militaire pour tout le monde. Vous êtes un expert en tactique de régulateur. Comment on s'y prend avec vos anciens amis? Les escouades sont éparpillées pour balayer la zone. Éliminez les équipes le plus rapidement possible. Ça devrait vous épargner une riposte coordonnée. Le chantier de l'Arche se trouve derrière une porte blindée en dur acier triple couche. Vous devez vous emparer de trois passes pour ouvrir ce truc. Il n'y a que les hommes du cartel qui emportent. Ah, je vois maintenant jusqu'où les Hutt font confiance aux régulateurs. Il faut que vous trouviez les lieutenants d'élite du cartel et que vous leur preniez leur passe. On ne pourrait pas simplement découper la porte, avec un sabre laser par exemple? Vous y serez encore demain. Les Hutt sont les champions pour construire des portes ultra solides. Contactez-moi quand vous aurez déverrouillé la porte blindée. Je vous ferai signe si on trouve autre chose dans les fichiers. Bon courage. Ilosoff, on a passé la porte blindée. Bien. Bloquez-la derrière vous. Il doit y avoir un panneau des commandes pas loin. Brouillez les codes de sécurité. Ça empêchera les renforts de vous suivre. Les plans de construction de l'Arche, quelle salade. Je comprends pas la moitié des symboles. Faites le nécessaire pour vous emparer du vaisseau en attendant. Bon courage. C'est de la folie. Mes hommes font des triples journées et on est toujours à la traîne. Travaillez plus vite. C'est pas... Écoutez, on sait tous les deux que Vidrig se sert au passage. Si ça continue comme ça, l'Arche ne sera jamais terminée. Vous avez la langue bien pendue, Thiro. Ce serait bête de la perdre. Sois prévenu. Nul être n'est désarmé quand il a des alliés prêts à le défendre. Minute. C'est toi la casse-pied qui pourrit l'existence de Toboro. Filez-moi un coup de main. Si on la tue, on touche le pactole. La République, hein? Je sais pas ce que vous fichez sur Makeb, mais merci. Ces idiots du cartel ont perdu la tête. J'ai voulu appeler à l'aide et on m'a collé un blaster sous le nez. Ces Hutt nous exploitent jusqu'à l'os. Ils nous traitent comme des esclaves. Non, comme des bêtes. On est venu réquisitionner l'Arche pour les habitants de Makeb.
Quand elle sera à nous, vous et vos hommes serez libres. On trime 18 heures par jour. Pas de pause, pas le droit de rentrer chez nous. C'est Vidric qui donne les ordres. Mes hommes se tuent à construire son arche pendant que lui chaparde tout ce qui lui tombe sous la main. À cause de Vidric, la construction de l'arche a pris des semaines de retard. Mon équipe ne peut pas terminer le vaisseau si ce sale dévaronien passe son temps à voler des composants. Vidric s'est enfermé là-dedans pour des raisons de sécurité, mais pas seulement. Il préfère magouiller sans que ses employeurs Hutt s'en aperçoivent. Il a même graissé la patte aux gardes. Mais vous, vous pouvez le démasquer, Maître Jedi. Je dirai à mon équipe de faire profil bas. Remettez Vidric à sa place et on fera tout ce qu'on peut pour vous aider. On a un ingénieur Huguenote, la meilleure de nos quatre secteurs. C'est un génie en électroplomberie. Vous aurez le rafraîchisseur le plus classe de Coruscant, patron. J'arrive toujours pas à me décider pour savoir quoi mettre dans la douche sonique. Les pierres luisantes féluciennes ont du style, mais j'aime beaucoup les carreaux d'onyx rilossien. Je vous en prie, réglez ce problème de décoration intérieure. La République réquisitionne le site. C'est vous, l'héroïne de la République, dont Toboro se plaint tout le temps dans ses holos ? Le cartel est si inquiet qu'il paye le double pour qu'on finisse l'arche en avance. Et ça, c'est sans compter la prime pour votre mort.